de la télé. Et après, on a besoin constamment de ce bruit de fond. Et on rate l'essentiel. Je suis très heureux d'accueillir Nassim Al-Andalus. C'est une association que j'avais vue pour la première fois dans le cadre d'un hommage comme je les aime, c'est-à-dire du vivant d'Abdelkrim Dali Rahmanullah. Ils ont donné un superbe concert à la salle Moula. Ce n'est plus du tout tout à fait la même équipe, tellement cette association fait un travail de formation formidable. Plus de 9000 musiciens ont été formés dans cette association. Toute l'éducation nationale n'a pas été capable d'atteindre ce niveau. Comme toutes les associations, il y a les dirigeants, il y a ce que j'appelle les chevilles ouvrières qu'on ne voit jamais, qu'on ne connaît pas, et qui font vraiment le vrai travail de fond. C'est pour ça que je voulais dédier cette soirée à Yahya Roul qui a fait un travail magnifique. Et au moment où il est parti faire ses études aux États-Unis, il a trouvé une cheville ouvrière solide. Belkacem Roul qui est avec nous, que je salue chaleureusement. Donc je remercie beaucoup Belkacem Roul pour avoir su prendre la relève à un moment très difficile, très compliqué. Je remercie tout le staff qui l'entoure, les amis de longue date, avec conviction, abnégation, courage, persévérance. Je salue aussi Sobhan Mansour, présent avec nous ici. Ce qui est magnifique avec cette association, peut-être a-t-elle eu la chance de s'installer en dehors de Tlemcen. Je dis peut-être. Ce qui lui a permis certaines petites innovations au niveau des couleurs. Peut-être que cette petite distance a permis aussi une certaine manière de dépoussiérer le répertoire. De toutes les façons, il faut absolument que nous apprenions que toutes les propositions sont aussi intéressantes les unes que les autres. Nous avons besoin de conservateurs et puristes, si vous voulez. Nous avons besoin de gens qui revisitent ce répertoire. Nous avons besoin de chercheurs qui interrogent ce répertoire. Et nous avons surtout besoin des formateurs. Et nombreux sont dans cette association les vrais formateurs qui donc reprennent le flambeau à bras-le-corps et nous offrent à chaque fois une étonnante surprise et une qualité d'interprétation qui est digne d'être présente dans une scène internationale comme ce festival. Donc je vous demande de les applaudir à nouveau. Donc sans plus tarder, je vous laisse avec Nassim Al-Andalus dans une magnifique nouba Tadil. Et quelque chose qui me fait particulièrement plaisir, ils n'ont pas hésité à les récupérer ou réemprunter ou remettre en place des pièces qui sont à Alger et les combiner avec ce que nous croyons être le répertoire strictement tlemcenien et tout n'est que strictement tlemcenien ou algérois et peu importe, c'est la musique algérienne. Magnifique musique, bon voyage avec Nassim Al-Andalus.